Spectateurs, bonsoir, bonjour, quel que soit côté où vous regardez l'émission, ça, c'est l'éducation par la danse. Tout deux mots, ça, c'est deux mots que moi j'aime. Moi, je suis Dr. Flor Lindor La Tortue. C'est un plaisir pour m'introduire l'émission, ça, pour vous-même. Une émission qui vient joindre nous grâce à CID, Conseil International de Danse, et aussi New Life Studio, New Life Dance Studio, avec le directeur Lee Clozel. N'a pas une première pause et n'a pas tenu à expérience pas capable, le maintenant, mais elle a confiance, oui, c'est bon pour toi. Va où tu vas, tu reviendras là pour le swing. Et bon là pour le swing, et l'ambiance est là. Eh bien c'est ça, nous retournons et nous avons commencé avec première partie. Hein. Si c'est qu'on est là ou branché, c'est Dr. Flor Lindor La Tortue, notre sponsor émission ça à quoi pour qu'on soit connu Radio TV avec Dr. Flor. Nous avons commencé Bokum. Bah comment c'est bon droite là, bah il bon droite là, nous allons faire mission avec lui, mais parfois dans la vie, il faut qu'on quitte que un peu jeune. On a commencé avec Claudel, qui c'est un professeur chevronné dans compas. Et nous carouelli dans le monde médias sociaux, mais nous-mêmes, grandettes, qui toujours regardent la télévision. Ce n'est pas des travails, nous travaillons pour nous faire Claudel Chita là, non, parce que lui-même, c'est un jeune, il fait talent, il passé, mais nous voulons grandettes, qui Chita là, quel que soit le pays qu'on y est, en Trinidad, Haïti, qu'on regarde l'émission, ça, qui est une émission internationale, Canada, tout, eh bien, je dis en son plaisir pour nous présenter un professeur chevronné de la danse haïtienne, le compas Claudel. Près de mon cœur, et puis à ma droite, le professeur aussi chevronné aux États-Unis, François Jacques. Eh bien, François, messieurs, moi dis-moi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, 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 et en fait, c'est un plaisir de commencer avec nous aujourd'hui. Et ça a pris du temps vraiment pour nous avec nous sur table pour déchirer ensemble avec nous. Et depuis que nous avons rencontré M. François, on nous a demandé de venir avec IDESA pour nous commencer à éduquer mon de qui ça qui musique, qui ça qui danse, qui ça qui la culture haïtienne, parce que la danse est aussi la culture haïtienne. On va juste tout à l'heure, non pas M. Claudel, moi en tête, il y a un studio qui est New Life Dance Studio, qui prend base dans West Palm Beach, mais qu'on y a là, nous extend, nous commençons à l'Inde, Haïti, Miami, Southwest, qui vit tout près nous. De côté, parce que pour le moment présent, nous sommes un studio qui gagne plus passé de 10 millions de vues dans les réseaux sociaux, parce que nous avons le monde qui suit nous. Mais nous voulons travailler de concert avec CID, qui c'est Mr. François, qui est président de Halinda dans Florida, pour nous faire des choses différentes, pour nous pousser ou bien porter à nous c'est quoi exactement la culture haïtienne et la danse haïtienne. Eh bien, c'est ça. Nous félicitons Claudel. Nous faisons des émissions ensemble déjà. Dans le forum ça côté que nous vraiment parler du père de la musique haïtienne de mon Jean-Baptiste, mais cependant n'a lancé pour une nouvelle année à vers, mais moi vais insister sur le mot la culture haïtienne. Donc le mot culture c'est un mot qui vaste. Mm-hmm. Et puis ensuite après ça nous t'ai fait une mission avec François côté que nous t'ai parlé que si on monde a besoin faire une bonne politique en Haïti, mm-hmm. c'est un département pour ta chérie plus, exactement. Ministère de la Culture et ministère des Sports, mm-hmm. parce que c'est deux bagages qui unit le monde. Mm-hmm. Alors, ou même et danse, pour qui ça c'est ça qui est important dans la vie, et décris-nous bon. Danse, décris-nous mariage ou même avec danse. Ah oui. Moi, mariage avec danse, si on va appeler, moi, personne ne peut pas expliquer, mais si on va appeler naturel. Et je me songe, j'ai moins de 9 ans, j'étais en province au Caï, parce que j'étais au Caï. Et puis, je suis sorti avec tonton, moi, talent, activité, parce que c'était un DJ à l'époque. Je me songe, la première fois que j'ai dansé, et puis, je me suis dit, c'est pour ça que j'ai dansé. La première fois que j'ai dansé, c'est après que j'ai dansé, j'ai dansé. Comme je fais danser, je suis bravo pour moi. Et puis, tonton me dit, oh, ça, c'est pas petit frère, non, parce que papa, c'est pasteur. So, après ça, je prends un bâton pour lui. Parce que maman était calé, maman était battu, parce que je suis sorti à toi, je suis dédié, parce que maman c'est un dame missionnaire.
Soit après ça, on perd du connexion avec danse parce que soit c'est une famille évangélique ou senti que normalement en Haïti, dans la famille évangélique, la famille chrétienne, la danse, c'est pas qu'elle existe pour eux-mêmes. Ils n'ont pas connu la bagarre comme ça. Vous comprenez? Même prendre ça au sérieux, même voyager, même à Haïti, Marseille-Domingue, toujours danser, faut fun. Compas, c'est qui ça? Compas. Bon, je connais. Quand je parle de la musique, la danse, je parle de compas parce que c'est compas. C'est compas qui bébé pas. Voilà, c'est bébé pas. Parce qu'à Haïti, nous gagnons folklore, nous gagnons la compas, voilà. Compas. Donc, les mêmes sorties, moi, je viens à Saint-Domingue, la danse, c'est fun. Mais moi, je viens prendre danse au sérieux, c'est les mêmes niveaux aux États-Unis. Ok. À qui l'âge ou pas tu l'as? En fait, je quitte Haïti depuis l'âge de 18 ans. Ok. Tu avais dit de 9 ans à 18 ans à danser? Non, je vais danser même parce que je suis à cause de chrétienté, je ne vais pas danser. Oh. C'est là que je suis arrivé à 18 ans, je même commencé à faire danser pour fun. Chrétien danser, oui, on oui. Bon Dieu. Longtemps, dans l'époque pas maintenant, de pouvoir danser des choses qu'on parle de ça, c'est plus vieux et Satan. Ce n'est pas parce que c'est pasteur, mais c'est dame missionnaire. Ce qui est arrivé à Saint-Domingue, quand il y a là, moi ça danser pour fun, dans l'activité, parce que j'ai une étude, je ne quittais pas. Mais c'est le même niveau aux États-Unis qu'on a mis pour danser au sérieux. Qui l'aime pour danser au sérieux? C'est au moment qui était arrivé, que moi j'ai eu un Mission Club, pour que mes démons perdent du poids. Et puis, dans le fait workout NPA fitness comme ça, moi j'ai eu trouvé que mon yo, on t'y jante cadre stiff. C'est que mon yo, quand yo, surtout mesdames, je l'avais compris, mesdames, c'est un travail. Les mêmes trucs que mesdames ont déjà vraiment stiff, je me dis bon, il faut qu'on fasse ça pour implémenter le bagage fait mesdames moins relax. Donc, je me dis, je me dis, pourquoi d'abord tu mets tes compas dans la fitness là? Parce que vision me dit bon, tout n'est qu'à faire latine déjà, tout n'est qu'à faire zumba. Je me dis, bon, prends l'identité là qui est compas pour mettre dans pour faire fitness. C'est comme ça que je commence à faire fitness avec compas. Au Zamboula, là, je me fais fitness avec compas. Donc, c'est pendant que je fais fitness avec compas et deux ans, un an après, quand il a commencé à jouer, mon capitaine, est-ce qu'on pas enseigné combat? C'est quand il a même commencé à prendre combat dans ce temps, on a commencé à enseigner combat. Mais la raison principale qui fait que je fais un combat, c'est parce que nous devons tourner un ambassadeur pour les dames haïtiennes. Parce que nous sommes tired, fatigués, parce que les dames haïtiennes, c'est housewife oui seulement. Et monsieur qui a plaisir, les sorties, monsieur qui a plaisir, mais mesdames, c'est chita nakai, c'est faire manger, c'est prendre son petit yo. Je ne parle pas de mesdames, je ne parle pas de jeune génération, young génération, je parle de mesdames qui sont dans l'âge de 20-30 ans. Je prends une initiative, je me dis comme ça que, femmes font activité pour mesdames haïtiennes dans 25 à 30 ans et continuer, pour que je me bagarre, pour faire au moins pour distraire maillot de being housewife, pour que je distraire tout. Mais c'est comme ça que je me prends au sérieux. Et puis depuis 2012, novembre, à nos jours, nous l'avons su exister, et c'est comme ça que nous avons béni Moun avec compas, et puis nous avons pris plaisir avec compas, et puis nous avons enseigné, non seulement plus parce que des milliers de monde déjà dans Florida, comment on peut danser compas professionnel. Où dis-moi, 12 novembre, qui année? Novembre 2012. Novembre 2012. C'est ça. Okay. De 2012 à 2019, ça parce qu'il fait nous 7 ans qu'on a dansé. On a dansé. Ou pas jamais apprendre à danser aucun côté? Bon, voilà mon séminaire. Mon séminaire art, artistique, au sein de là, mais donc d'abord parce que je danse avec plusieurs autres nations, comme salsa, bachata, tout ça, mais c'est pas focus. Mais pour moi, pour monter l'autre musique, l'autre danse, l'autre nation, il y a des gens qui viennent devant, qui disent, oh, est-ce que vous pensez salsa? Je dis oui, je danse salsa, je danse bachata, je danse merengue, parce que je fais 6 ans dans le pays, et puis je prends cours ensemble avec l'autre nation sur ce domaine. Je dis, bon, focus moi-même, c'est pour promouvoir la culture haïtienne qui est le combat. Bah, parce que les autres côtés me disent, bon, à cause de ça qui fait salsa, à cause de ça qui fait bachata, mais moi-même personnellement, je dis non, c'est compas m'a fait, et je suis dans le compas jusqu'à ce que, de nos jours, je dis que je suis successful, tout à l'heure qu'ils ont enseigné compas. Ou quand vous voyagez, ou apprendre tête ou danser compas à la façon de Claudel, et pour partager à travers le monde, public ou d'abord les femmes, et puis qu'on est là, ou gain 9 ans, ou changer la vie femme, au niveau nutritionnel. Ah, parce que d'avoir dit mes amis. Ah, ok. Avec dit monsieur, yo, nous pas besoin de peur. Etc. Dans la première pause, là, à côté que peut-être nous avons quelques images de New Life Dance Studio. Et puis, nous avons avec Claudel et François Jacques. Eh bien, c'est ça, téléspectateurs. Moi, j'ai un peu là nous-mêmes, cap texte là. Eh bien, ok, numéro moi-même, c'est 786-521-7321. Numéro CID, professeur Jacques. C'est 954-708-5099.
Et puis nous avons le numéro qui paraît là et au même Claudel. C'est 561-644-4037. Ça veut dire que dans trois comptes, on n'a pas de problème du tout. Si vraiment on envie vivre longtemps et qu'on choisit nutrition et la danse, eh bien là, nous c'est équipe pour nous. Nous avons fait un balayage, nous avons sorti de compas typique Piaget qui a pris tête li à François. François, vous-même, qui est-ce qui était pour danser? Bon, je crois que je parlais de ça déjà. Donc, normalement, le premier monde qui m'a démontré de danser, c'était maman. Donc, qui était un danseur folklorique. Donc, c'est le simple de commencer par l'appréciation pour la danse. Donc, comme ma danse est longtemps. Alors, et la danse depuis 9 ans, la danse depuis 90 ans. Ça n'a pas de problème là-dedans. Alors, ma danse commence à 90 ans. Ouais, en tout cas, les sens. Et puis, maman, moi, quand je dis, ça, bien. Bon, François, et la danse plutôt traditionnelle, qu'on parle parlant, à danse pour l'an, est-ce que nous tous deux qu'a dit que nous devons crédit à le monde, le père du compas? Bon, je crois que tout le monde qui a dansé compas, si vous avez pas crédit, et même le monde qui a joué compas, tout, si vous avez pas crédit à Nimo Jean-Baptiste. Donc, je crois que, quoi que, pour l'âge moins, et de lever joint Nimo Jean-Baptiste, de lever joint compas, donc je crois que nous tous sommes capables de faire crédit à Nimo Jean-Baptiste. Bon. Par le monde. Nous allons commencer dans ça, François, lui-même. Et Claudel lui-même, les nous avons fait réunion, et réunion 42. Claudel, voilà. Vous dites là, dans votre école. Claudel lui-même, lycée, un nationaliste. Elle dit que Haïti l'en cœur, Haïti l'en brenni, il n'y a pas trop l'autre. L'idée, c'est l'autre ratio. Oui. Mais François lui-même, il promote tout. François parle de intelligence ou est-ce que vous avez gardé tellement de grandeur. Sous ballroom dancing, parce que c'est ça, en tant qu'haïtien, on vient introduire à côté de professeur de compas. Et puis, il aime tellement que la sang, on paquet tout bon. Ballroom dancing, ça lié. Donc, son étude multiculturelle qu'elle vient à travers la danse, ou la culture peuple, donc à travers un mouvement qui vient créer une architecture du mouvement, tout mouvement qui vient faire danse là. Et puis qui appartient à pays, qui rentre dans la culture pays. Donc c'est ça, son étude multiraciale qui dit. Et c'est une pour raison que moi était elle nécessaire d'être rencontré avec Claudel pour me inviter dans le programme là, comme un professeur qui a pensé compas. Et c'est le seul professeur qui m'a rencontré vraiment qui a pensé compas, qui vraiment qui m'a capable qui m'a invité. Et c'est pas seulement seulement qui m'a invité tout professeur qui intéressé à l'enseignement de la danse compas tout parce que moi étudier ballroom pour être capable en joindre identité nationale à travers compas direct là. Et c'est une pour raison qui fait me rentrer, c'était une mission pour moi pour être capable voir différence qui existait entre l'autre danse l'autre peuple et qui ça qui appartenait à Haïti sous forme de danse qui nous capable dire bon moi-même personnellement je suis haïtien mon culture que moi même c'est l'âme de mes compas et que m'a travaillé là-dedans depuis près de 35 ans, qui m'a travaillé sur le compas direct là. Et je suis capable de tout son plaisir pour moi pour rencontrer un professeur haïtien, Claudel, qui est intéressé à enseignement compas direct là. Donc je ne sais pas pourquoi encore. Eh bien moi-même, comme éducation, mon éducation, c'est là que moi son professeur. Je suis professeur de danse. Et puis, yo, va jamais montrer me danser, mais ça va me voir danser. Je dis, c'est ça que je là. M'apprends à apprendre. Il y a pas là. Même quand pour Claudel, de fait tout comme danser, même besoin raffinement, non mais tous deux, parce que faut qu'on me dise ça. Excusez-moi, m'a dit que moi, nous fait comme danser, c'est vrai, mais bon, bah que le comme c'est dans le training. Training, on peut faire n'importe qui bon. Il a peut-être local, il a peut-être avec les réseaux sociaux, il a peut-être sur internet, il a peut-être tout par rapport avec comme si un séminaire qu'on prend. Moi, même si pas au cas, on peut avoir un talent, mais on apprend aussi de tout pour améliorer le talent. Pour mettre des tickets. C'est simple. Mais des tickets, c'est que moi-même, pas seulement par exemple, on danse sur compas, mais moi, je prends les règlements étiquettes danse internationale, moi, étudier danse pour qu'on y ait une jeune dame qui avait devenu un professeur de danse. Même pas juste comme c'est levé, me dit bon, je suis danseur, je suis danseur, non. Mais moi, étudier danse, moi, étudier musique, moi, étudier tempo, beat, que tout le monde ne parle pas de nous, peut-être dans l'autre des bagailles, dans l'autre émission. Mais avant tout, je suis devenu un compas danseur,
l'organisme, par exemple, j'aime dans sa structure que nous mettons en place et règlement, ce sont des structures internationales, ce sont des règlements internationaux, ce sont des éthiques internationales. Parce que même si M. François a dansé, j'aime M. François qui met mon dame, c'est comme ça toi pour Claudel qui met mon dame tout parce que ça, c'est étiquette ballroom dans. Oui, nous avons dit, pourquoi pas dire combat, c'est une danse en groupe. Qui faisant partie du ballroom, donc capacho, parce que c'est pas une danse freestyle qu'on capable. Fait sauf les gens. Quand les mondiales à voler les mains, balayer. Notadé. On parle mondiales. Ou un monde qui fait des mondiales. Donc ça c'est en forme de concert à l'intérieur de la salle. Donc c'est pas une danse, c'est pas un ballroom. Bon ça moi-même je parle même, balayer mes concerts à l'intérieur de un ballon parce que l'MT fait de Miami, Raichin dit dans Blanche, Millennium Ballroom, c'était un cadre qui était un cadre sain, où nous sommes sortis, si vous voulez apprendre à danser un professeur Jacques Bailleux-Soman, et puis après ça, ou gagne, si c'est DJ, on gagne. Je ne songe pas à l'époque ça, je ne suis pas campé. Non, c'est venu danser au pays comme vous, ou passer un bon moment, ou danser ou du Monchita. Il faut qu'on ait fait la différence entre un bal, une sorte de bal de salon, et un concert, ou bien un festival, ou bien une sorte de chaque activité. Il y a une qui ont poisson casé dans le bouillon qui n'est pas bon. Qui n'est pas bon. Cependant, l'air parler de danse qu'on va dire là, où est un couple. Ou on coupe quand c'est. Donc, les rentrer dans le ballroom. Donc, le ballroom, normalement, tu créé pour coupe. Pour coupe. Oui, pour coupe. Et puis pour Kembe, pour Pio. Uni pour la vie. Donc, c'est sa danse, c'est sa vie. Donc, et qui vient détacher de compagnie là, parce que à l'époque, pas moins, Nemo Jean-Baptiste, quand il finit au a joué avec les stylos, le panorama de Kai. C'est là que j'ai rencontré, j'étais très petit, j'ai adoré, admiré Nemo Jean-Baptiste, qui m'a eu chance de rencontrer et interviewer la télé Haïti. Dans l'époque, les années 19-20 ans, c'est ton fierté pour moi. 90 ans. C'est ton fierté pour moi pour me rencontrer Nemo Jean-Baptiste et qui t'a nous parlé de ça. Nous parlons de faire publiquement des voiles, tout. Crédit après Paul. À l'époque, nous tout à danser, c'est toute une famille qui a l'en bas. C'est ça. C'est madame, monsieur, petit, et puis tout le monde, Gretavio, Chita, et puis c'est couple. Toujours à danser. Donc c'est pour ça que compagnie est là depuis à l'origine, c'est en faisant partie du ballroom. Eh bien, et pas carrément que nous finissons partie ça sans que nous pas citer catégorie qui l'en ballroom. Bon, dans ballroom, il y a trois familles of dance dans ballroom. Il y a ballroom qui inclut la valse, la valse qui était créée en année 16e, qui était la première forme de danse en couple qui était créée à l'époque à Vienne. On dit 16e siècle. 16e siècle. C'est ça. Oh, okay? Et puis après ça, on vient de valse lente. Et puis on gagne foxtrot qui rentre dans la culture américaine. On gagne tango. Et puis on gagne quick step. Nous avons qui relaient slow waltz. Ou slow waltz, nous disons ça. Viennese, val viennoise. Oh, c'est ça, et okay. Puis, et slow waltz, là, c'est une valse qui est plus rapide, et puis une qui l'a. Après, on vient de foxtrot, ou de tango, ou de à l'époque américain, nous relaient Peabody. Peabody, c'est un ancien rythme qui est utilisé en Angleterre actuellement, qui nous relaient quick step. Ok, donc on a parlé de ça, donc dans 5 dans ce forme de ça, dans la famille du ballroom. Donc nous gagnons tout dans la famille de danse latine. Non, nous pas là. Nous, non, on parle de ballroom. Ok, on est rentré dans le ballroom. Yes. Nous gagnons cha-cha-cha, qui est une des premières danses latines. Okay. Ou bien mambo salsa, qui est d'origine d'Haïti, au mambo, développé à Cuba, et puis qui vient de changer de nom. Alors, on est capable de dire salsa, son nom. Nouveau nom pour mambo. Et puis nous venons gagner la rumba, nous gagnons rumba, nous gagnons boléro, et puis nous gagnons swing. Swing, non, il est rentré dans la famille de danse latine, mais nous-mêmes nous prenons la famille de danse, de swing family of dance, tout, que nous allons expliquer danse caribéen.
Donc, dans le ballroom style américain, nous avons cha-cha, nous avons mambo, nous avons cha-cha-cha, nous avons mambo, nous avons rumba, nous avons swing, nous avons boléro, nous avons compas direct noir qui est censé rentrer dans ce ballroom. Et puis, nous avons valdinoise, nous avons valse lente, nous avons foxtrot, nous avons quickstep et puis jive, une sorte de variation de danse qui embrasse toute culture mondiale sous forme de danse et musique. Alors nous gagnons diversité dans la vie. La vie offre nous choix tout. Choix qui permet pour nous gagner un style de vie. C'est ça. Eh bien, émission ça, hein? Éducation par la danse, c'est une émission moins sucie, moi, papa, ou du moins ma tante ou qui, le monde l'église, il y a fier de nous. Et puis, dans ce qu'on fait, ce n'est pas des danses qui passent saines. Et puis, si on change la vie de milliers de monde qui ont suivi Claudel, ça, c'est un talent qui levé figure Haïti, qui ça. Fait en tant qu'on cahier que internationalement, moi-même, moi applaudir. Bon, si je lâche ton bagage, et j'aime ça, la musique, ça fait aussi partie de la culture d'un pays. C'est ça. Et la danse aussi. C'est culture au pays. L'homme était musique avec danse. Musique sont l'un pour l'autre. Danse sont l'un pour l'autre. C'est-à-dire que, il y a des gens qui sont mélomanes qui aiment faire des musiques, qui n'ont pas de plaisir pour danser. C'est ça. Et comme ça, il y a des gens qui aiment faire des musiques, qui aiment danser tout. Mais lorsqu'on a deux langues qui sont mises ensemble, par exemple, quand on a un groupe qui est ensemble, on a fait des musiques, on ne peut pas parler parce que on a vivre le même langage. Mais les gens qui ont dansé, on a pas les mêmes langues parce qu'on a fait le même step, même pas, même si on n'a pas dit un mot. C'est ce qu'on a que dit comme ça que langue avec musique en musique ensemble avec danse c'est un langage lié. Son mariage. Dans la communauté haïtienne, nous pas valoriser ce qu'on appelle vraiment la culture haïtienne dans le monde évangélique. Dans le monde évangélique, il y a ce qu'on appelle une division. Oui. Une division qui séparait la culture haïtienne et le monde évangélique, la chrétienté. Raison parce que à l'église, on ne parle pas de la culture. À l'église en Haïti, la communauté haïtienne, nous ne parlons pas de la culture, même de là pour nous pas apprécier, parce que toute expérience que nous passons, c'est l'église, bon Dieu, dans le ciel, prier, manger, travailler, c'est ça que nous avons. Il y a une expérience pour le paradis. Mais parce que nous n'avons pas vraiment embrassé ce qu'on appelle notre culture qui est notre identité. Moi-même, moi valoriser la culture, moi, parce que même la Bible reconnaît la culture d'un pays. Parce que tu as parlé de l'Anabé, tu as parlé de Jérusalem, tu as parlé de Bagay, tu as fait comprendre que chaque pays où tu as identifié par rapport avec ça, tu as pu offrir. C'est-à-dire que Haïti, qui a une culture qui est si riche, le fait de Bagay, par exemple, si nous allons plus loin, n'importe qui gens que Haïtiens, même à l'église, on apprécie la culture française, mais on rejette la culture haïtienne. Parce que en France, le monde qui a compris la culture païenne, il n'y a pas forcément chrétienne. Mais à l'église en Haïti, on supporte ces gens-là, mais pour ce temps, en Haïti, ces gens-là même qui a compris que nous va apprécier. C'est une mentalité, je pense, que nous devons changer, mais que l'éducation, pour que nous plus favoriser notre culture, que nous sommes nous-mêmes, c'est que nous sommes qui fiers de nos jours, parce que nous sommes des instructeurs. Et les moins, ouais, par exemple, coupe, m'a enseigné qu'à danser ensemble, compas, j'aime nous have fun, j'aime enjoy you. Ça fait me fier pour me dire que moi, c'est un. Des instructeurs qui fiers de tête et en même temps qui fiers de Haïti et comme vous voulez m'babay un rien pour la culture haïtienne qui est la musique et la danse haïtienne. N'a prenons une pause et puis n'a tenez ta l'heure. Eh bien, téléspectateurs, je suppose que nous avons passé un bon moment là, émission, son émission que ma vie, parce que les contribue à la santé, je me sens en santé en compagnie de monsieur. Mais et nous allons entrer dans une partie que moi, je connais pas, mais bien d'autres, c'est éducateur. Et street dance, mais monsieur, mon capitaine, c'est dans nous dit, on dit ballroom, c'est street dance, et puis on additionne multifacette là-dedans. C'est ça, ça veut dire pour mon qui parle de street dance. Faut que nous, normalement, en réalité, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour aller danser.
Ça, son habilité naturelle liée, son norme qui est liée pour lever, pour danser. Parce que danse fait partie de la vie, il fait passer activité journalière du monde. Okay. Donc c'est ça que nous relève freestyle dancing, street dance, monde qui a improvisé des mouvements. Monde a baigné, il s'est dit danser, la pitoie est allée lui danser, c'est yes. Ça nous relève freestyle et puis street dance. Freestyle, street dance. Okay. C'est là que danse son élément divin et sacré qu'il y a. Pour rentrer dans les églises, quand on dit que il y a une mission des églises, je crois que c'est très malheureux parce que danse, en général, vient de l'église. Pourquoi tout le monde a d'accord ça? Ou, ça vient de l'église. Qui vous dit comme danser? Non, mais danse, pas en tant qu'un élément divin et sacré, ça vient de l'église. Jésus pas comme danser, non? Jésus danse tout. Mais oui. Okay, bon, là, ça, on a cherché pour mais oui, le dieu de la danse, nous allons faire plusieurs ouvrages. C'est à travers l'église que danse vient de danse, en okay. Général. Musique, tout vient de l'église. Le rythme que nous utilisons pour danser sont l'autre élément sacré, qui esprit, qui vient du cosmos et du divin. Et du divin. Donc, il faut faire attention, son bail est très important. Donc, dès la rue à. Étiquette au salon. Donc, c'est une forme de communication entre un couple, garçon et fille. Ou du moins, nature là, et ou même être là, qui a exprimé. C'est ça. Freestyle là, tout. Son mouvement spirituel, tout. Côté mounan, son forme de prière qui attache l'esprit divin à l'architecte de l'univers. Ok, par exemple, Indien, qui est comme danser pour yon louer. Il y a plusieurs formes de danse. C'est pas normal. Si nous avons des raisons qui font au monde supposé à apprendre à danser, ok, ou à danser normalement pour divertir. Est-ce que vraiment, si pour juste pour divertir, est-ce qu'on a besoin à l'école pour apprendre à divertir? Non, pas pour apprendre à prendre plaisir, non, pas juste pas pour prendre plaisir. Ou pas besoin à l'école pour apprendre à danser pour prendre plaisir. Ok, c'est pas vrai. Deuxième raison pour apprendre à danser, c'est pour aller danser pour enjoy yourself et satisfaire le monde qui va danser avec vous. Ça, il faut aller voir pour apprendre ça. C'est ça qui fait ballroom, les rentrées, c'est toute étiquette ça que nous créons, la façon de tenir la fille sur la façon de tenir la fille. Et puis tout mouvement, la communication qui existait entre fille et garçon, sans verbal communication, avec des mouvements qui créaient sous forme de syllabes. Tout le monde apprend. Si moi, je veux dire, c'est une structure avec normes que nous mettons ensemble qui fait des professionnels. Keep c'est ça la différence entre street dance et puis professional dance. Pour ça. Même quand professeur que moi-même, je prends l'autre pour nous bail public, je vais parler de syllabes. Ça veut dire que gagner un syllabus. Oui, dans toute langue. Dans toute langue. Même dans la langue écrite et parlée, ou après 26 lettres de l'alphabet. Alors, dans la gagne en tout. Oui. C'est ça qu'on a parlé de graphique du mouvement humain. C'est à travers toute étiquette ça, ça qu'on va faire avec bio, comment écrire un mouvement avec bio sur ça. Donc c'est ça. Vous parlez pas. L'hôtel, pas précis. C'est même l'électron musique avec des notes. C'est ça. C'est même genre pour leur danser, leur faire pas professionnel, leur qui a des structures, qui a des normes, qui a des disciplines dans cela, ou qui a fait des pas, mais les règlements, les disciplines, faut qu'on ait un carreau dans ce coin, on dit ah, ça sont danseurs. C'est okay. Par exemple. C'est ça, c'est qu'on appelle des blueprints de blueprint. Of a movement. Yeah. Ah. Or the graphic design of a footprint. Yeah. Okay. Par exemple, c'est ça qu'on fait à Pio Zoupisla. Et comment, et chaque. Combinaison, c'est même genre là écrit une phrase dans la langue écrite dans une forme qu'on règle grammaticale pour supposer et puis dans cette phrase là on met ton période on met ton point. Et puis, leur combine une bonne phrase ensemble, et puis, bon, par paragraphe. C'est la même chose. C'est même pour mon backup tout, pour me dire que, les, par exemple, pour danser, par exemple, leur mettez structure avec nos mieux. On dit, par exemple, même si je te fais danser, par exemple, salsa, par exemple, même danser con, par exemple,
façon que moi mettais pied me positionner pied mon a dit ah je suis danseur parce que dans n'a pas cette différente danse mais position que j'en mettais pied mes gens que me virer non ça c'est le style c'est... le style ouais, le style mais aussi la forme dans tout posture ça veut posture dans danse oui, mais il rentre dans niveau éducation danseur voilà tout voilà c'est même bien oui c'est ça dans toute forme d'éducation ou bien pour passer dans le préparatoire. Hein? Exactement. Pour aller dans l'élémentaire 2, yeah, pour tomber dans le certificat, bon niveau, pour dire là, il faut faire philosophie pour quelque chose. Pour connaître ça que les gens. Pour apprendre à parler, il faut faire une bonne philosophie. Voilà. C'est même dans la danse. Dans la danse, il y a à peu près 16 niveaux. Okay? Ou il y a un bronze, qui a 4 niveaux bronze, 1, 2, 3, 4. Ou il y a un silver, qui a 4 niveaux, 1, 2, 3, 4, qui a 8. Ou bien gold qui bon 4 autres niveaux 1 2 3 4 qui vient bon gold level le master degree et après on vient gold bar qui de 4 autres niveaux qui vient bon un PhD en danse et même niveau ça gain niveau pour les étudiants et niveau pour les professeurs tout donc c'est là un problème qui ça pour faire dans son carrière parce que grand dialogue danseur fait pour créer avec rythme musique là pendant qu'il a interprété musique là. Et Ruth vient du cosmos. C'est ça. C'est là qu'il vient voir une sorte de dialogue entre l'architecte de l'univers qui vient du Ruth dans le cosmos et le mouvement qu'il a créé. Il n'est pas à distraire. Et c'est là que forme de prière, ça y est, très important dans l'éducation de tout individu. C'est ça. Quand il y a l'air de rentrer dans la culture, on peut. Pour que danse et musique, qui ont élément fondamental dans la culture peuple, ne fait partie de l'éducation peuple. Oui, pour continuer encore, j'aime tout à l'heure, il y a une différence entre leur danse spirituelle et leur danse corporelle. Spiritualité require a deeper connection. Donc, il y a une connection qui sort en down, côté que you feel it. Parce que, au cas où on va feel. Mais leur danse au feel soit fait, ou diriger quoi avec l'esprit. C'est-à-dire que quoi suivre l'esprit. Ça veut dire que quand vous dansez, vous êtes offbeat. C'est parce que vous n'avez pas dansé avec spiritualité, avec spiritualité, avec rhythm music, vous juste dansé. Mais la différence qui vient, c'est que vous utilisez l'esprit, danse dans vous paraît plus normal, il peut être plus naturel, il peut être plus original, parce que quoi juste flow ensemble avec danse là, et puis quoi juste flow avec musique là, et puis qu'il n'y a que, vite ce qu'on appelle, la coordination et la synchronisation entre la musique et le danseur, ou du moins c'est les danseurs. C'est ça qui peut nous rendre que lorsqu'on est vraiment spirituel, qui nous fait connexion, ça nous va être en connexion qui est unique. Ou bien le rythme interne qui est ultrasound à l'intérieur de l'individu. Ok? Quand on bat le les bons vitesses, tout, les bons rythmes là-dedans, c'est ce qu'on appelle le rythme interne. Il y a le rythme dans la musique qui est deux paroles différentes. Donc là, par exemple, on va connecter avec le rythme musique là, on va calculer tout le beat principal qui est dans la musique là, il y a un dialogue qui est créé avec le rythme interne et le rythme dans la musique qui vient heal une série de maladies, de douleurs, de tout stress à l'intérieur de la vie. C'est là. C'est là qu'on a des dispositions. Là. Oui, voilà. Oh, voilà c'est là qu'on a la spiritualité. Non, il faut aller à l'école. Non, il faut aller à l'école pour apprendre la musique. La main avec Claudel, spirituellement, on n'a pas besoin de l'école. La spirituellement, on besoin de l'école. Laisse-moi il n'est pas capable d'extérioriser le profond. C'est ça. Le sale dîme là qui est spirituel, hein, c'est comme si l'on regardait un danseur de ballet, par exemple. Exactement, ça vraiment ça, c'est. Mon cap pas quoi que le spirituel, le cas de Josan Abdila, mais ça veut dire que mon a demandé pour lui faire une coordination voilà, du physique. Depuis en bas jusqu'en l'air et l'esprit pour lui dégager la beauté. Voilà, c'est l'expression. C'est l'esprit là. Mais si vous n'avez pas intégré là. Exactement. Le rythme. Le rythme là. S'il pas blindé avec. Mais ça me le fait comprendre. Le fait que les capables d'éducation comme Barbara et M. François. C'est ça. Et d'après l'expérience PAM, puis il faut étudier pour être devant mieux, you just. Mécanique. Faut que ça batte. Voilà, danser. Mécanique, c'est ça. Mais, moi-même, personnellement, avec mon instructeur, moi, enseigner étudiant mieux qui j'ai pour venir devenir spirituel. Pour apprendre
feel. Physique et biologique. Mais attendez, yes. Spiritualité à genre ce voile-là, il peut animer quoi, pourquoi avoir une fallo spirit la kounya. C'est ça. Que kounya là, ou fil on bagaille, ou senti on bagaille, lorsque senti kounya là, ou dégagé. Ou vin qui t'allez, ou gagne dans le cœur kounya là, je l'ai manifesté. Quand ils ont fait kounya là, ou utilisez quoi kounya pour express qui j'en sens là. Oui, mais la donne tout. Femme bagon libertinage dans corporel là. Non, pas gagne. Non, oui, parce que. Oui, c'est. Non, pas. Parce que pour être sensuel, ça gagne pour elle qui. C'est biologique. Et puis, il y a un cœur corporel qui est trivial. Voilà. Quelle est la danse, par exemple, si vous parlez de les strippers, sont des danses et tout, des cas spirituels, mais qui sont des danses qui sont sexuelles. C'est sexuel. Qui gagne, mais parce qu'il y a une différence entre. Ça va vous dire trivial. Bon. Ah, bon. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre. Toutes les formes. Oui, toutes les formes. Il y a une différence entre, par exemple, parce que chaque bagage a une forme, par exemple, il y a une forme par eux, chaque bagage a un fondement par eux, chaque bagage a une façon pour faire. Nous, moi, nous tellement contents, mes amis. On a fini là, sous copain, et puis on a bâillé un crédit l'enfant, à Nemours, et puis moi-même, c'est moi-même qui élève là, ok, je dis, hein, parce que j'en dis Claudel, moi pas jamais apprendre à danser, moi aimé danser, et moi pas le permettre que mon yo, ouais, différence qui gagne les au monde, quand on qui aimé danser, à suivre qu'on y là, les indications de deux professionnels et leur style. Nous prenons une dernière pause, nous retournons pour nous faire conclusion parce que professeur Jacques Pavlé que nous pas fini avec essence compara qui aujourd'hui c'est l'éducation par la danse et pour nous finir comme ça. Nous retournons à l'heure. C'est ça, nous avons fini. Et pour nous finir, moi, je voulais nous-mêmes, téléspectateurs, voyez critique nous. Allez commencer à danser. Suivez l'émission, ça. Éduquez-nous. Apprendre de lui. Moi, j'ai porté aujourd'hui deux Haïtiens qui ne connaissent pas le même côté. Deux ou trois générations différentes. Claudel, mon Okaï, moi-même, papa Cavaillon, qui fait un Cavaillonnaise tout, et François Jacques. Qui vient de faire que nous c'est mon nom sud, mais nous c'est haïtien. Haïtien qui est éduqué et il y a bon moins ça nous gagne qui c'est la danse. Et puis, vous voulez montrer que vous voulez faire un cadeau, bon Dieu, qui c'est l'éducation par la danse. Et vous des professeurs internationaux, vous ne voulez pas faire égoïste avec. Mais l'aimé derrière pour ta veille, vous dit ah, on cherche le peuple. Ça danse et puis bien quand les tignes de l'école alors là tout de là baronne il va le boumer là donc bal danse à tout de nous va loin mais c'est pas ça nous voulons dans l'émission ça nous voulons le spirituel ça dit Claudel nous voulons le corporel tout nous voulons le respect nous voulons le partage et nous voulons l'évolution de la culture et sentiment commun tout sentiment commun et le progrès et le progrès et c'est pas un sentiment commun entre un peuple. Par rapport au progrès, par rapport au développement d'une nation sans sentiment commun. Voilà. C'est ça. C'est là que je viens d'attacher, je viens de faire connaissance avec Claudel, avec les questions de culture, que nous venons de rentrer combat comme censé, je suis capable de dire, moi-même, personnellement, que le peuple haïtien pourra trouver une vraie indépendance d'Haïti à travers le combat. Nous avons besoin d'une vraie identité nationale, une vraie identité par nous, qui pourra devenir une identité nationale pour développer le pays comme une sorte de produit national. Qui est ça veut dire que c'est une contribution pour nous. Ça, c'est contribution pour nous, un pays qui est. Je ne pas comme ça dire. Et compare si vraiment Haïtien mettait accent sur lui, il a besoin d'un gros rôle dans la communauté haïtienne. Et surtout, grand pile dans ce qu'il a fait, grand pile haïtien qui a dansé ça, il va comprendre l'espagnol. Dans le pays haïtien qui fait folie pour Kizumba, il ne va pas danser, il ne va pas comprendre le portugais. Ça veut dire que c'est que ce concernant la communauté haïtienne qui a regardé nos téléspectateurs et téléspectations, il est le temps pour nous apprendre à apprécier la culture. Il est le temps pour nous apprendre à valoriser ce qu'on gagne. Comme le haïtien toujours dit, Mr. François et. Docteur Ford. La culture, c'est la culture. C'est ça. Quitte ce ancien morceau, toujours filé. Ou après, il y a quand même tout volé dans lui pour aimer.
Et c'est sous notre ça, nous avons quitté, parce que si nous quittons monsieur ça, nous n'avons pas été net, nous n'avons pas le danser pour. Et pas bientôt, si vous voulez contacter New Life Dance Studio, ou pouvez contacter nous sur Instagram, New Life Compa Dance Studio, ou pouvez contacter moi sur YouTube, c'est Claudel Compa Dance Instructor, ou Facebook, New Life Dance Studio. Tu peux dire que vous dernier mot de la fin de côté, ou pouvez ces deux générations qui sont différentes. Nous, pas dans Chiré Pi d'une Claude. Monsieur François, je connais que dans la génération par là, il y a plus de monde qui apprécie ça l'affaire. Et nous, même tout dans la génération par là, il y a plus de monde qui apprécie. Et je connais tout le monde dans la génération par là, qui a quand même un style, Monsieur François. Pour ça, nous faisons fusion, côté que nous travaillons ensemble, côté que les gens qui veulent choisir de danser, whatever, style ou l'air, ou juste faire sans problème. Et c'est ça, fait moi-même, moi, dans mi temps, je suis toujours essayé moi-même comme élève, et je suis un petit morceau, petit calpatical, parce que c'est tout bon. À travers l'émission, ça, c'est le ça, peut-être, nous a dit que vous montrez nous danser. Eh bien, nous allons danser. Merci. Fred Paul, parce que pour musique, moi, je ne veux pas quitter perdu. Succès, je ne veux pas quitter perdu. Eh bien, téléspectateurs, nous avons des voix de nous là, mais tout crédit, copyright, Fred Paul. Fred Paul. Nous sommes capables de faire quelques instruments coulés. Et ça nous fait aujourd'hui. Après ça, la évaluer, corriger, etc. Parce que nous voulons éducation par la danse langue réelle. Alors, papa, on va danser pour les autres. On va juste donner un mix. On va essayer de tout faire, c'est ça. Harmonique, et puis on a parlé de tout jazz qui jouait comparé. Voilà. Ah, ok. On a voilà. Okay. Listen to the beat. Ok, and it's supposed to go to the beat, right?
So ça, c'est ça que mon spiritualité en pile là. Bon, pour qu'on parle de mouvement, on va besoin de spiritualité parce qu'on a plus de mouvement. C'est... Mais en même temps, nous sommes capables de toutes ces syllabes, c'est à travers l'alphabet du mouvement que nous sommes capables de danser toute forme musique, quel que soit le genre de musique changé, mais comme l'alphabet est censé là. C'est un plaisir pour moi tout, pour me faire avec professeur Claudel et puis docteur Flore. Et puis nous dit à bientôt, éducation par la danse, salut. Ciao!